Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens d'aller à la boîte à lettres et j'ai reçu mes produits de mon dernier partenariat avec One Day Saving. Donc je l'ai écrit parce que c'est plus simple. Mais de toute façon, vous allez retrouver en barre de description le nom de la boutique exacte, les liens des produits, etc., etc. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Alors, ça fait plusieurs fois qu'ils me redemandent en partenariat, enfin, qu'ils me redemandent si je veux faire un partenariat avec eux. Alors, c'est vrai que comme vous avez dû voir, en ce moment, je ne fais pas trop du diamond painting. Donc, du coup, je voulais pas. Enfin, je dis non, ça ne sert à rien. Sur le coup, tout autant quand c'est du scrap pur, bon, oui, parce que si je n'utilise pas aujourd'hui, dans 6 mois, ce n'est pas grave. Mais c'est vrai que le diamond painting, j'en ai déjà de côté que je n'ai pas fait. Et donc, je me suis dit, ce n'est pas la peine d'avoir 50 000 choses si je ne vais pas le faire. Donc, je ne répondais pas. Enfin, j'avais dit plus tard, en fait. Et en fait, plus tard, ils m'ont encore redemandé. Et tout compte fait, en regardant, j'ai trouvé 2-3 petites bricoles que je vais vous montrer. Alors, déjà, j'ai pris ça. Voilà. Vous voyez, la petite licorne, là. Alors, je ne sais pas du tout comment c'est. La boîte, elle est un petit peu, un petit peu écrasée. Je ne sais pas du tout comment ça se présente. Mais j'ai ma petite nièce qui adore les licornes et je me suis dit que j'allais peut-être je prenais ça pour qu'elle mette dans sa chambre. Voilà. Donc voilà. Je trouve que c'est mignon. Je sais pas vous, mais voilà, la petite licorne. Voilà. C'est enfantin, donc, mais c'est pas grave, c'est pour une petite fille, c'est pour mettre dans sa chambre, donc c'est juste, je trouvais que c'était mignon. Voilà. Ensuite, hop, donc ça, ensuite j'ai pris, alors ça, je sais plus ce que c'est. Ah oui, alors c'est un porte-clés. Voilà, c'est un nounours comme ça en fait, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, donc il y a tout, hein. Vous avez la petite clochette, vous avez la dragonne, je crois qu'on appelle ça comme ça, hop, allez. Voilà, c'est comme ça, il y a tout voilà, j'aurais plus qu'à faire le nounours et l'accrocher, voilà. Créatif détail, voilà, ça c'est pour accrocher là et comme ça ça fait avec la clochette. Je trouvais que c'était, voilà, c'est un petit il y a les anneaux, il y a la clochette, tout ça. Hop, je remets là dedans pour pas perdre. Voilà. Et donc comme toujours, hein, vous avez toujours les espèces de demi-perles, je ne sais plus, il y a un nom, mais à chaque fois j'oublie le nom. Moi je dis ça, les strass ou les demi-perles. Et vous avez le petit récipient, vous avez le stylet pour pouvoir ramasser les demi-perles, et dedans il y a aussi la scie. Et évidemment, vous avez le petit nounours. Ça, je le ferai, je vous le montrerai fait ou en partie avec vous. Enfin voilà, de toute façon, c'est vite fait. Hein. Donc, de toute façon, j'ai pris que des choses qui sont à faire vite fait. Comme ça, j'ai le temps de les faire. Ensuite, j'ai pris... je me suis reprise du double face. Parce que j'en avais déjà pris. J'avais pris... c'est pas chez eux, hein. Mais j'en avais pris du qui était fin comme ça. Alors, est-ce que j'ai une règle là? Pourquoi j'ai pas trouvé... Qu'est-ce que j'ai fait de la règle? À chaque fois, je me mets des règles à côté et je ne sais pas ce que j'en fais, mais elles partent toujours ailleurs. Alors, là, celui-là, c'était du 3 mm, je crois. 1, 2, ouais, 3 mm. Celui-là, c'est du
5 mm. Voilà. C'est du 5 mm, celui-là. Il me semble moins large que celui-là. Celui-là, il est... Hop, attendez. Celui-là, je l'avais déjà. Hein. C'est du 6. Ah, ben, dis donc. Du coup, ça fait du 3, du 5 et du 6. Voilà, les grandeurs. Donc, voilà, j'ai pris ça. J'ai pris ce rouleau. Je me suis dit, pour ma gel presse, alors j'espère que ça va aller, mais voilà. Voilà. Je me suis dit que pour la gel presse, ça doit être bien. Après, ces choses-là, c'est fait pour quand on fait le... comment dire, quand on colle tous les mistras, quand on fait le DP, en fait, après, on passe ça comme ça. Comme ça, ça fait bien adhérer les demi-perles ou les demi-strass, quoi. Mais moi, je l'ai pris en me disant que peut-être pour la gel presse, ce serait bien. Voilà. Donc, j'ai pris ça aussi. Et pour finir, j'ai pris ce petit sac Gorgeous. C'est étonnant, non? Voilà. Sachant que j'ai une Gorgeous encore à faire. Hein. Voilà. Donc, j'ai pris ce petit sac comme ça. Je me suis dit, c'est mignon, regardez, avec la petite Gorgeous. Et donc, toujours pareil, vous avez les demi-strass et tout dedans, le stylet, la colle, le récipient. Et regardez comme elle est mimi comme tout. Et donc, voilà, j'ai pris ça. Voilà, voilà ce que j'ai eu, ce que j'ai choisi pour mon partenariat avec One Day Saving. Voilà. Bon, après, bon, voilà, quand je ferai, je vous ferai des petites vidéos, une petite vidéo pour voir ce que ça donne. Le petit sac, je le trouve trop mignon. Voilà. Alors, j'avais déjà vu avant, hein. Ouf, j'en fais du bruit, moi. J'avais déjà vu en sac comme ça, mais oh, je m'étais dit, oh non, un sac, je sais pas trop ce que ça doit donner. Et bah, du coup, comme ça, voilà, ça me fait... je vais essayer, comme ça, je verrai. Donc voilà, donc j'ai pris ça, ça, le double face, 4 mm, là le petit porte-clés nounours et là le la licorne, voilà, la petite licorne. Je trouve que, en fait, ça peut être, vous pouvez même faire avec un enfant, hein. Bah, c'est tout en chinois, donc je peux pas vous dire, ah si, c'est à partir de 3 ans. Voyez, donc à partir de 3 ans, on peut le faire, enfin, ça va pour les enfants à partir de 3 ans. Mais, enfin, je vois ma petite nièce, elle adore les licornes, voilà. C'est vraiment son truc, sa petite folie, c'est les licornes. Du coup, j'ai trouvé que c'était trop joli, voilà. Donc, bah écoutez, bah voilà, hein. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, en barre de description, vous allez avoir tous les liens de ces produits-là, le lien de la boutique et un code promo s'il y a. Je ne sais plus s'il y avait un code promo. C'est horrible d'avoir une petite mémoire comme ça. Non, j'ai pas eu de code promo. Alors, je sais pas si après... parce que des fois, quand on fait la vidéo, après, des fois, ils envoient en retard, mais ils envoient. Mais là, j'ai pas de code promo. Voilà. En tout cas, voilà. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.